Voilà, tous ceux qui ont des questions, tous ceux qui ont des questions, venez, je suis là. Venez me poser toutes vos questions. Voilà, 30 minutes de plus questions, toutes les questions. Vous avez des situations, vous avez temps. Venez en live. Voilà, venez en live, vous allez me parler, répondre à toutes vos questions. Ceux qui veulent écrire, écrivez. Voilà, ceux qui veulent écrire, écrivez. Mais c'est mieux que vous passez en live pour me parler, en fait. Voilà, je suis calé, les gars. Venez poser les questions. Maintenant, chaque soir, c'est comme ça. Il y a live, vous allez poser les questions. Voilà. Petit, enlève ça, mon pardon. Ah, tout l'histoire. Ok. Je vais faire cardio. Quel exercice tu proposes? Pour le cardio, là, moi, la plupart du temps, moi, je fais une heure sur le tapis. Tu vois un peu? Voilà, JP, monte en live. Viens en live. Auguste, je suis là. Ok. Ok, montez en live, on va parler. Une heure de tapis. C'est rien, souvent il fait deux heures sur tapis. Faut pas t'amuser. Il fait deux heures sur tapis et finit, il fait corde à sauter. Ah, il fait cardio pour de vrai. Les gars, vous envoyez les demandes là. Je suis en train d'accepter. Accepter toutes les demandes. Salut, voilà. Comment, ouais, bonsoir mon gars. Ça va, bon, ça va. Oui. C'est toi. Là, je suis là. Attends, t'as allumé. Il y a allumé. Ouais, ça va, super. Ok, y a pas de problème. Bon, moi, y a pas de problème. Moi, je suis là. Il y a une suggestion. Je veux que j'entende mon enrichir. Oui. C'est comment, frère? Ok. Il y a l'impression que. Si les gens se plaignent du fait qu'ils ne comprennent pas ce que tu dis, Jean, je pense que tu dois préciser dans tes vidéos. Quand tu fais une vidéo, le message que tu veux passer, c'est aux célibataires ou bien ceux qui sont au couple. C'est-à-dire que, par exemple, si tu donnes un message aux célibataires, tu viens dire cette vidéo à les célibataires, c'est consistant. Parce que les gars, ils appliquent des choses, des personnes qui sont au couple et pas célibataires. Il n'est pas à préciser, que tel message est pour un célibataire ou quoi. Tu sais, dans la vie, là, dans tout ce que tu écoutes, il faut utiliser ton intelligence. Tu comprends un peu? Dans tout ce que tu écoutes, il n'y a pas besoin de dire c'est au célibataire. Ouais. Moi, je parle aux hommes. Point. Si tu es célibataire, si tu es en couple, c'est ton problème. Il faut savoir utiliser, en fait. Oui, réellement, il faut savoir utiliser ton mind, ton esprit pour savoir que, ah, dans telle situation, je ne dois pas faire tant. Ouais. Dans telle situation, je ne dois pas faire tant. Ouais, ouais. Ou bien, les livres que les gens écrivent, là, il y a des livres que les gens écrivent sur le business. Mais quand tu lis souvent, tu n'es pas encore businessman. Ouais. Mais ça te permet de comprendre quelque chose. Ouais. Tu vois un peu? Mais quand tu es dans le business, il te dit comme ça qu'il y a une telle manière. Il faut toujours répondre aux clients gentiment. Ouais. On te dit ça. Mais tu arrives devant un client et ce client-là, il a tendance à mal te parler. Tu comprends un peu? Dans ce cas-là, tu n'es pas obligé d'être gentil. Dans ce cas-là, ben, tu lis plusieurs livres. Tu as lu des livres qui te disent d'être gentil avec les gens, mais tu as aussi écouté une vidéo de Dave qui te dit faut pas te laisser marcher sur les pieds. Dans ce cas-là, quand le gars t'insulte, tu vas faire quoi? Aïe, on ne va pas laisser ça comme ça. Tu vois? Bien. C'est ton intelligence et utiliser, non? Ouais. Pour savoir que quand on me parle mal, il y a des situations où je dois répondre. Oui. Ou bien, il n'a pas besoin de préciser. Lui qui est dans cette situation, il va se reconnaître. Ouais. Non, c'est réel. Moi, elle est là. C'est réel. Non, c'est réel. C'est réel. Ouais. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui, quand ils disent une vidéo, il y a un qui dit, regardez ça, ça m'a aidé. Il y a un autre qui dit, non, ça ne l'a pas aidé. Mais telle vidéo sur le développement personnel l'a aidé. C'est, chacun est. Parce qu'il y a des choses que Dave dit, peut-être c'est pas ça. Il n'est pas 100% raison, frère. Mais tu peux savoir que. Ah, parce que souvent, il te dit quand une go fait bizarre, il faut la jeter. Mais tu peux être dans une situation où tu vois que ah, la go, elle a pas fait exprès. Donc, il n'y a pas de problème, on peut laisser. Ouais. C'est pas parce que Dave a dit que non, dès qu'elle fait les bêtises, il la jette. Que, dès qu'elle te dit non, tu la jettes. Ça dépend des situations, frère. Ça dépend des situations. C'est contextuel. Voilà. Donc, moi, je ne peux pas dire une vidéo pour les célibataires. Les vidéos qu'elle fait, c'est pour tous les hommes. Que tu sois célibataire ou en couple.
Il y a des gens, ils comprennent les choses à l'envers, ouais. Frère. Bah, il y a des gens, ils comprennent les choses à l'envers. Souvent, tu es en train d'expliquer un oui. Ah, c'est ça. Il va prendre ça à l'extrême, man. C'est-à-dire, si ça goûte, elle a fait un truc, là. Directement, elle va lui dire, ouais, c'est bon, c'est fini. Déjà, c'est pas comme ça. Ça dépend de la chose, en fait. Il faut comprendre ça. En fait, à coup, il y a l'impression que les moments. Voilà, ça dépend des situations. Non, c'est toi-même qui ne comprends pas. Parce que c'est toi qui envoie la suggestion. Tu es plein d'infos, en fait. Tu es plein du fait que. Mais pourquoi les bongos ne comprennent pas ce qui est dit? Puis après, je commence à rire, en fait. En fait, c'est. Non, souvent, c'est en parlant que ça sort comme ça. Mais à deux, trois personnes, souvent, ce sont des nouveaux sur la chaîne. C'est à cause de ça que je parle comme ça. Tu vois un peu? C'est à cause de ça que je parle comme ça. Sinon, il y a des personnes qui ne comprennent pas. On leur dit, il n'y a pas de problème. Mais à force, ils vont comprendre. Parce que ce qu'elle dit là, quand tu ne comprends pas, ils te promettent, les femmes te font comprendre. C'est ça, mon frère, c'est l'expérience qui parle. C'est l'expérience qui parle. Quand... Oui. C'est pas tout le monde qui peut comprendre. Quand elle te dit non, arrête de trop lui envoyer des messages, sinon elle va mal te parler. Hein. Quand tu penses qu'elle ment, quand tu fais, tu parles mal, et puis toi-même tu prends tes distances maintenant. Non, c'est vrai. Voilà, c'est ça qu'elle a. Franchement, frère, tu es un chef. Franchement, mes respects. Je regarde tes vidéos sur vous. Je suis depuis. J'ai acheté ton e-book là, en ligne. Là. J'avais acheté. J'avais pris le gratuit là. Et puis l'autre là, où tu avais fait promotion dessus là. Il a pris aussi. C'est intéressant en tout cas. Ok. Moi, c'est un barbier. Je suis né ici à Abidjan. Il n'y a pas de droit. Viens venir à Abidjan là-bas. Tous mes amis. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vas-y. Moi, je suis à overdose. Hein. Moi, je suis à overdose. Mais je te vois pas maintenant parce que je... Ouais. Ah. Quand tu as overdose, non, comme je suis plus à Barbie actuellement là, à cause de ça, sinon je viens. C'est-à-dire que peut-être septembre, octobre, je serai à Abidjan. Septembre, octobre, je serai à Abidjan. Donc forcément, il a fait tous les éléments, même on se croiser. Peut-être il a dit aux éléments, ils n'ont qu'à tomber sur nous à la salle là-bas. On va causer, on va travailler et tout. Voilà, tu connais pas de problème, mon frère. En ensemble, ouais, mon gars. En tout cas, félicitations quoi, pour les taf que tu as bas. Voilà, ça fait deux ans que moi je te connais. Je te suis sur tes vidéos. En tout cas, ce que tu enseignes là, c'est réel. La gamme de vélo. J'enseigne la vie aux gens. De vélo. Parce que les gars, la vie. Les gros là, c'est juste une affaire, c'est juste une mince affaire. Pourtant, les femmes là, c'est la vie même de l'homme. C'est pas une mince affaire. Une femme peut te faire rater toute ta vie. Au calme. Ils savent pas. Une seule femme. Rater toute ta vie. Non, mais là, tu sais que faut pas qu'on te moquer d'un bêta. Hein. Parce que tu dois être malade. À cause des bêtas, là, les boules, le gars, il croit supérieur aux hommes. C'est-à-dire que tout de suite, là, si la grosse fait, ça se dit qu'elle a droit à un avenir meilleur. Manu. Non, mais maintenant, quand tu tombes sur toi, Manu, tu fais comprendre. Le oui, là, c'est quoi? Faut pas se mentir. Hein. Parce qu'actuellement, dans le monde dans lequel on vit, il y a beaucoup de moutons. C'est eux qui font un peu, tu vois, la go aujourd'hui, là. Ils ont un gros ego, là. Ils ont fait un malin sur nous. Mais ils ont fait un malin sur qui? Quand tu fais comme si tu la vois pas, là, celle-là va courir derrière toi. C'est ça. Faut même pas tchaka. Claire, elle ne peut faire malin que si celui qui la regarde. C'est pas si tu la regardes que tu sais qu'elle fait malin. Sinon, si tu la regardes pas, c'est elle va non, tu connais, bro. Il dit tout à l'heure, il a commandé Yongo. Tu vois, leur nouveau système partagé bizarre, là. Moi, je ne savais pas. Il a commandé Yongo, non. Il y avait une mousseau qui était dedans, dans la voiture, là. Tu vois, non. Moi, j'étais assis devant, elle s'est assise derrière. On partait comme ça, on est parti l'accompagner. Moi, il a calculé même pas, même. Il faisait comme s'il la voyait pas, même. Un coup, tu vois, elle est là. Moi, je suis serein, moi, je suis comme ça. Je suis calé, tranquille. Et puis, elle me dit, tu t'appelles comment? Tu vois comment ça a commencé, non? Tu t'appelles comment?
J'ai dit c'est quoi mon nom, tout ça, un peu. Juste quand ça arrivait, elle veut prendre mon numéro. Elle m'a même pas demandé son numéro. Hein. Elle est zo, elle a go là. Elle est bien, bien propre, bien jolie. Même, tu as demandé le numéro pourquoi? C'est pas toi qui as dit, c'est la femme qui doit courir derrière nous, bro. C'est nous qui sommes le prix. Ou bien, oui? C'est nous qui sommes le prix. Parce que les femmes courent derrière les hommes qui savent qu'on doit courir derrière eux. Quand tu sais qu'on doit courir derrière toi, c'est une certaine manière de te comporter. Mais comme tu le dis, franchement, une fois que tu sais marcher seul et puis tu sais ce que tu veux, c'est pas n'importe quelle personne que tu as fait entrer dans ta vie, surtout femme. C'est pas n'importe quelle femme. Réellement, parce que tu te promènes avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Quand tu acceptes n'importe qui, n'importe quoi t'arrive, il y a des femmes que tu dois rejeter, frère. Il y a des femmes que tu dois rejeter. Faut pas t'amuser avec ça. Une femme, si elle t'intéresse pas, parce que le problème des femmes, c'est quoi? Elle pense que parce qu'elle est jolie et que tout le monde lui court après, toi, tu dois l'accepter. Et tu faut obligé de t'accepter. Il te veut pas. Il te veut pas. Parce que quand une femme rejette un homme, c'est tranquille pour une femme de rejeter un homme. C'est tranquille pour une femme de faire. Mais le moment où toi, tu dis non, moi aussi, je veux pas dealer avec toi. C'est ça. Un problème. Rejetez les gros qui vous embrouillent, les gros que vous voulez pas, rejetez-les. Et puis souvent même, c'est une technique. Parce que c'est la technique. Elle te veut, mais quand tu l'approches, elle te rejette. Faut faire ça. C'est ça, bro. C'est le dégagement express. Elle te plaît, mais quand elle vient à toi, tu la rejettes. C'est le dégagement express. Oui, les gros là, elles aiment pas quand tu penses qu'on t'aime. C'est-à-dire quand tu as attention, elles aiment pas ça. Non. Elles aiment fou. Elles aiment l'ombre de la vitesse. Dans la même. Mon vieux. Et vous dites, tout fonctionne à l'enfer. Tout fonctionne à l'enfer. Si les femmes ne savent pas, ça, elle aime. Il y a un truc là. Tu vois, c'est un truc bête. Hein. On dit, le jour où tu as compris pourquoi pizza, là, il met ça dans. c'est rond. Et puis il met ça dans le carton carré. Et puis on coupe ça en triangle. C'est là que tu as compris, femme. Faut même pas te changer. Faut pas te changer. Faut l'apprendre comme ça. Salma dit c'est Adam qui court derrière Eve. Non, c'est pas Adam qui court derrière Eve, Salma. C'est pas Adam. Parce que je ne cours pas derrière une femme pour prendre soin de toi. Ça n'a pas de sens. Je ne peux pas courir derrière toi pour prendre soin de toi. Si tu me plais, je peux te montrer de l'intérêt. Mais si l'intérêt n'est pas réciproque, je ne vais pas. Jamais. Courir. Parce que tu peux faire la cour à une femme. Hein. Il n'y a pas de problème, tu peux quand même faire la cour à une femme. Tu vois un peu? Mais on ne courtise qu'une femme qui veut être courtisée. C'est-à-dire, je te montre que je suis intéressé, je t'appelle une fois, deux fois. Si tu as eu l'audace de m'appeler quand même une fois, ça me fait comprendre quoi? Ça me fait comprendre que, je peux quand même continuer. Si je t'envoie un message et tu me réponds deux jours, trois jours, je te laisse tranquille. Je te laisse tranquille. Tranquille, bro, je force rien. Parce que tout ce qui est naturel, si je te plais aussi, ça va venir naturellement. Quand tu forces, les relations sont toujours bizarres. Réel. Quand tu forces, et les femmes aussi, elles n'ont pas à forcer. Réellement, souvent une femme, tu lui plais. Souvent une femme, tu lui plais, bro. Et elle commence à insister. Pourtant, à chaque fois, tu la rejettes. Elle ne comprend pas. Ça fait que même quand tu l'acceptes, tu ne la prêtes pas bien aussi. Tu vois un peu? C'est mieux quand elle a envoyé des signaux, tu réagis, elle voit que le gars aussi il est intéressé. Parce que les femmes aussi doivent savoir se faire désirer. Et ça, c'est un problème. Les femmes aussi, quand elle est trop fond de toi, elle ne sait pas se faire désirer. Elle est tout le temps là. Et ça fait qu'à un moment, tu commences à la prendre pour acquis aussi. Et la relation n'est pas intéressante. Parce que de la même manière que l'homme doit savoir séduire, la femme doit savoir séduire aussi. Elle savent séduire, mais quand une femme est trop fan de toi, ça pète dans sa tête, elle ne peut plus se contrôler. Mais tu essaies de quoi elle parle. Quand une femme est trop fan de toi, elle ne peut plus se contrôler. Il y a une comme ça, à chaque fois qu'elle met la voix, elle bouge tout le monde. Reste tranquille. Ça fait un mois qu'elle ne parle plus avec elle. Il est laissé comme ça. C'est la meilleure solution. C'est la meilleure solution, frère. On doit pas avoir peur du matin, il y a un goût là. Il y a un petit là, c'est un bon dit quoi. Il y a un goût là. Tu vois, il y a un goût là. J'ai fait comme ça avec elle il y a deux jours là. Elle est là. Je l'ai parlé. Elle me répond après deux heures.
Aïe, elle pense que quoi? Il a répondu après 3 heures. Tu réponds plus. Elle a fait maintenant, elle a commencé, elle a compris le jeu. Elle a fait, qu'est-ce qu'elle me répond après combien de temps? Après 3 heures de temps encore. Il n'a plus répondu. Tu réponds plus. Parce que moi-même, tu me réponds. En fait, la femme peut te répondre 2 heures de temps après. Et dans l'énergie, tu vas savoir qu'elle était vraiment occupée. Et il y a des femmes qui vont te répondre, c'est-à-dire, elle n'était pas occupée, mais elle s'est fout de toi. Parce que moi, je sens réellement. À cause de ça, l'intelligence émotionnelle est vraiment intéressante. L'énergie, tu as senti l'énergie avec laquelle la femme te répond. Tu vas voir qu'elle peut te répondre 3 heures de temps après, mais avec enthousiasme. Elle peut te répondre et puis à la minute, mais elle t'appelle en même temps. Que non, elle était occupée, tout. Cette femme-là, il n'y a pas de problème. Mais il y a une qui te répond 3 heures de temps avec une réponse très brève. Elle ne répond plus. C'est pas la peine. Voilà. Elle attend comme ça, la mat, c'est jusqu'à la semaine prochaine, elle va répondre. Elle pense que quoi? Tu me dis et tu réponds plus. Fou, hein. L'engagement est très. Voilà, tu réponds plus, mais tu l'archives. Parce que moi, je ne suis pas le genre de personne, même égal numéro. Si c'est bizarre, ça a été laisse. Parce que je ne suis pas l'option d'une femme. Parce que les femmes font ça. Elles vous gardent à côté, elles ne te veulent pas, mais elles te gardent à côté au cas où lui celui qui est flash, lui qui est en train de poursuivre, il ne veut pas. Elle revient à toi de manière comme si elle t'a toujours voulu, c'est toi qui ne l'as pas voulu, tout. Si tu ne comprends pas ce jeu-là, elle va te prendre comme son option, t'utiliser, et puis qu'elle va finir. Et quand le gars va revenir, elle va repartir vers lui. Ce qui fait que toi, facilement, ça t'embrouille. Faites attention même. Non, c'est pas seulement des maudites, hein, man. En fait, c'est un état d'esprit. Il faut que tu comprends le game, là. Tu sais comment tu as géré la gueule. C'est pas compliqué. Ouais. Réel. Non, les femmes sont compliquées pour les gens qui ne comprennent pas. Sinon, quand ils comprennent, c'est elles qui disent que tu es compliqué. C'est ça. Quand tu commences à comprendre, elle dit c'est toi qui es compliqué maintenant. C'est plus elle qui sont compliquées, c'est toi qui deviens compliqué. Parce que c'est trop facile. Ouais. C'est trop facile. Mais il faut savoir. Parce que bon, les femmes sont fortes. Hein. Respectez les Golans. Hein. Ouais. Respectez les Golans. Hein. Une go peut te manipuler d'une certaine manière. Tu vas penser que non. Les femmes te manipulent avec leur larmes. Elle te manipule avec les larmes. Elle va pleurer à chaudes larmes. Elle va pleurer de telle sorte à ce que tu penses que non, elle a vraiment mal. Et puis quand tu as la regardé, dans ton cœur, tu vas avoir un peu pitié. Tu es tombé dans le piège. Tu es tombé. Tu t'es pitié. Et puis quand tu as pitié maintenant, elle commence à ne plus être fond de toi. Parce que quand elle arrive à te manipuler, elle ne t'aime plus. Qu'elle n'arrive pas à te manipuler. C'est un game. Voilà. Qu'elle n'arrive pas à te manipuler, elle t'aime. Et c'est ça, les gens ne comprennent pas. Quand une femme n'arrive, elle essaie de te manipuler, parce que qu'est-ce que ça se... Quand une femme prend cette distance-là, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation pour toi. Pour que tu cours derrière elle. Et c'est quand elle voit que tu ne cours pas derrière elle, elle commence à revenir. Elle comprend que elle ne peut pas te manipuler. Donc, elle revient. Sa manipulation est échouée. Elle va tester encore. Une femme va rester avec toi. Elle va te rendre amoureux. Une fois que tu es amoureux, elle sait que tu es amoureux. Elle commence à prendre ses distances parce qu'elle sait que lui, là, il est amoureux. La majeure partie des hommes qui sont amoureux, quand la femme prend ses distances, ils commencent à lui demander qu'est-ce qui ne va pas dans la relation. Non. Pourtant, toi, quand elle s'éloigne de toi, malgré que tu es fan d'elle, elle s'éloigne Elle revient encore. Elle revient toujours. Elle revient toujours. Elle ne revient pas derrière moi. Mais pourquoi? Elle va se poser les questions dans sa tête. Donc, elle revient toujours. Ça, sûrement, faut jamais. Les femmes reviennent toujours. Même ta gueule, elle va revenir. Elle revient toujours. Bon. C'est génial. Elle revient de manière subtile. Il y a une même peut-être qui t'a laissé même. Le moment qu'on... Il y a 5 ans qu'on t'a laissé, le moment où tu deviens star, elle t'envoie un message, hey, il y a longtemps, oh, mais tu t'es passé où? Comme si elle ne t'observait pas depuis longtemps. Elle t'observe depuis
longtemps, ça fait peut-être 5 ans, tu observes, mais quand t'envoies le premier message, elle te dit, il y a longtemps, toi, tu as pensé que non, elle pensait pas à toi. Peut-être t'as remarqué tout ce temps-là. Comme ça va maintenant, elle vient, on te dit non, il y a longtemps. Si tu fais pas attention, tu vas pas savoir qu'elle m'observait depuis longtemps. Elle va te dire, mais toi-même, tu m'as maltraité, tu as joué avec moi. Pourtant, elle sait très bien que c'est elle qui a joué, toi. Mais toi aussi, tu te joues les imbéciles. Tu dis non, il n'y a pas de problème, et il me rappelle que c'est vrai. Mais tu ne lui donnes jamais ce qu'elle veut. Parce qu'elle veut revenir à toi. Elle veut reprendre connaissance de ta vie. Elle veut savoir ce qui se passe dans ta vie. Tu restes mystérieux. Tu ne lui parles pas, toi, de ce que tu fais. Elle va tourner, elle va se fâcher contre toi. C'est là que les émotions recommencent à rentrer. Elle voit que non, sa manipulation ne prend pas sur toi. Parce que la manipulation, elle ne le dit pas dans la bouche. Tu vois un peu, sans faisant certaines petites choses que tu vois qu'elle veut me manipuler. Toi aussi, tu dis rien. Normalement, une femme ne doit jamais savoir que tu regardes mes vidéos. Elle ne sait pas que tu regardes mes vidéos. Mais quand elle essaie, ça ne prend pas. Elle essaie, ça ne passe pas. Elle commence à voir que jamais il est comme moi-même. Mais pendant qu'elle s'est fait tout ça, plus elle met les efforts, pour te manipuler, plus elle devient fan de toi. C'est ça, c'est le mot, bro. C'est ça. C'est réel. Plus elle essaie de te manipuler, plus elle devient fan de toi. Plus, parce que les gens, plus une femme s'investit, elle essaie de faire les jeux pour vouloir te manipuler. Elle essaie de faire tant. C'est de l'énergie, elle est en train d'investir sur toi. Hein. Et quand elle investit de l'énergie, ça la rend fan. Après ça, si tu veux qu'une femme soit fan de toi, quand elle commence, il faut lui demander de faire certaines choses pour toi. Ah, tu peux pas faire telle tâche pour moi. Tu peux pas passer à la boulangerie, m'acheter du pain. Même, il faut faire comme si tu veux pas la draguer, même c'est une amie seulement pour toi. Tu veux pas m'acheter du pain, tu veux pas faire ça, tu veux pas me faire un transfert d'unité, ce genre de choses, les petites choses comme ça. Au fil du temps, tu lui fais faire de petites choses. Tu vas voir que la femme va commencer à être fan de toi au bout de 3 semaines. Elle va pas comprendre. Parce qu'à un moment, elle va se dire, mais aïe, lui, là, même, aïe, fait trop de choses pour lui, pour quelle raison? C'est pas mon gars. Là, maintenant, elle va vouloir que tu sois son gars. Mais tu l'as déjà eu. Très bien. Thank you, my guy. Thank you, my guy. Le caméraman. Le caméraman est là. Il est trop fort, les gars. C'est ça. Surtout le manque de respect de femmes, là, même aujourd'hui, là, c'est pas la peine. Hein. Le gars, là, il pense que c'est avec n'importe qui, elle peut parler n'importe comment. Après, c'est pas la peine. Voilà, tu vois un peu. Parce que les hommes tolèrent. Les hommes de maintenant tolèrent tout, frère. Les hommes de maintenant tolèrent. Tu vois pas que la plupart du temps, quand on était petit, une go, peut-être vous vous amusez ensemble dans le quartier, et un jour, elle fait pas la bête toi, et puis tu fais pas la bête elle. Après, ça, elle devient fan de toi. Faut remarquer, quand tu fais pas la bête femme, je te parle. Après, elle devient fan de toi. Non, c'est réel. Ça, c'est vrai. Quand tu fais parler à la femme, après elle devient fan de toi. Parce que dans le parlable, en fait, que tu fais la femme, quelque part, tu es en train de lui montrer que non, moi, c'est un garçon, il y a les bêtises qui passent par moi. Et quand elle comprend que, oh, lui, là, on ne fait pas les bêtises sur lui, dans son cerveau, des femmes, elle devient fan de toi. Non, c'est bizarre. C'est vrai, bro. Je te jure, c'est ça. Non, surtout. Moi, je me rappelle toutes les boys qui ont fait parlable des 6e, jusqu'en première. Elle devient fan de toi. Non, c'est réel. C'est réel. Mais en tout cas, regarde, faut pas se mentir, bro. En tant qu'homme, si tu n'as pas des principes, là, il y a des choses, là, tu peux pas accepter. C'est-à-dire, quand la femme vient comme ça, dans ta vie comme ça, là, il faut qu'elle respecte déjà. Avant de t'aimer, elle doit te respecter. Parce qu'il n'y a pas amour sans respect, bro. Impossible. Il n'y a pas d'amour sans respect. Pour venir, elle va te parler n'importe comment. Comme ça. Elle n'a qu'à parler comme ça à son vieux, man. C'est pas à toi de venir parler comme ça. Toi, tu es là. Mais en fait, les femmes font pas ça. Bon, les femmes font pas ça comme ça. Hein. Ça peut être ça que quand une femme commence à sortir. C'est un shit test, c'est ça? Comme tu le dis d'habitude. Tu vois, non, il y a des petits tests qu'elle va faire. Au début, elle va essayer de faire une petite chose. Si tu as dit non, c'est pas grave, là. Elle va faire encore une de plus grande. À cause de ça, dès qu'à la moindre,
à la moindre trace de manque de respect, tu lui dis que hey, sans, fais pas ça avec moi. Point. Tu fais ça avec moi, tu t'en vas. Jamais la montrer que tu as besoin d'elle. Faut jamais la, même si tu l'aimes commentement. Faut jamais la montrer. Même quand tu l'aimes, faut lui montrer que non, 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 non. Non, non. Parce que les hommes de maintenant, parce qu'il est fin. Oui. J'ai vu les commentaires des gars sur TikTok. Ils me disent que non, c'est parce que tu n'es pas fan d'elle. Même si quand tu es fan d'elle et puis tu la laisses partir, c'est là que tu respectes. Parce que quand ils sont fous, ils ne peuvent pas laisser partir. À cause de ça, que certains hommes sont malheureux dans la relation. Bon, tu vois comment les gars sont malheureux. Il y a un gars là, il est très connu même. C'est un rappeur, il n'a pas dit son nom. Très connu. Mais sa go le malmène. Elle parlait les gars devant lui. Elle causait les morts devant lui. Les morts la drague devant lui. Il ne peut rien dire. Ça, c'est quelque chose. C'est pas un garçon. C'est un garçon féminisé, mon chef. C'est pas normal. Tu peux pas. Pourtant, tu es un rappeur. Tout le monde te connaît. Tu peux avoir une autre GoPro. Tu peux avoir une autre. Go, les Mongols ils peuvent pas partir. Non, parce que c'est parce qu'ils sont pas habitués à rester seuls. C'est lui qui est habitué à rester seul là. Et puis il aime ça. Il peut rester seul pendant longtemps là. Tu t'en fous. Hein. Tu t'en fous. Hein. C'est ça. Les hommes maintenant ils ont besoin de relations comme les femmes. Moi, en tout cas, personnellement, je préfère être un loup solitaire qu'être un mouton populaire, bro. Parce que c'est pas n'importe qui peut manger. Il faut que tu sais marcher sur le même si on t'a jeté en Chine là, tu as parlé chinois. Ça te débrouille. Ça te débrouille. C'est la débrouille, mon frère. C'est la débrouille. Les gens peuvent pas rester. Ils s'en vont, ils font connaissance avec n'importe qui, tout ça là. Ils se mettent à connaissance avec n'importe qui. C'est ça qu'elle a. Les gens peuvent pas vivre seuls. Les gens peuvent pas vivre seuls. Bonsoir. Tu voulais me poser quelques questions? Voilà. Moi, ça va être quelque chose. Par exemple, quand t'es avec une meuf et tout, les gens te disent, ouais. Quand t'es avec une meuf. T'es avec une meuf, quoi? Quand t'es avec une meuf et tout. Les gens qui te disent ouais et tout. Mm-hmm. Je vais dans un spa et tout. Avec des potes à moi et tout. Tout ça. Et genre, il y aura des gars à l'intérieur, tu vois. Mm-hmm. Le mec qui s'appelle. Je sais pas quoi. Tu lui dis que genre, t'es pas d'accord, tu vois. T'es pas d'accord et tout. Okay. Mais genre, par la suite, après, t'es dit que. En fait, non, je rigolais et tout. Je vais avec une pote et tout. Tout ça. J'entends, tu comptes réagir comment? Ouais, c'est ça. Elle t'a dit qu'elle allait dans un spa. Ouais, c'est ça. Avec ses copines, mais qu'il y aurait des hommes. Et voilà. Elle t'a dit, tu veux pas qu'elle aille là-bas. Après. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Après, maintenant, non. Elle me dit que c'est le lendemain, en fait, qu'elle va y aller. Voilà. Okay. Donc maintenant, c'est très bien que si moi je fais le contraire et tout de ce qu'elle est en train de me dire et tout, ça va pas lui plaire, tu vois. Après, maintenant, elle m'a dit non, en fait, finalement, en fait, c'est faux, en fait, je rigolais et tout. Je vais avec une pote à moi et tout. Tu connais, moi, je n'ai pas trop parlé, tu vois. Ok. Elle dit. En fait, c'est le lendemain, c'est prévu pour le lendemain. Je te dis la vérité. Rien n'était. Oui. Voilà, elle m'a dit, elle m'a dit tout départ. Mais c'est ce que je suis en train de t'expliquer maintenant. Il y avait des hommes. Ouais. Et si elle est partie, il y avait des hommes. Seulement qu'elle t'a dit que non, elle ira avec sa pote seulement. Voilà. Pour le calmer. Sinon, c'est pour il y avait voilà, des hommes. Maintenant, après j'ai beau et tu vois, non, j'ai beau et tout. J'ai beau et tout. Elle m'envoie un message où elle dit qu'elle est désolée, tout ça. Et tout, que ouais, que voilà quoi, qu'elle est désolée et tout. J'ai dit ok, tranquille. Et puis elle tue le discours. Donc, elle est quoi? Ok, d'accord. Moi, personnellement, bon, j'ai pu taper la discussion et laisser quoi? Ouais, c'est ta go, non? Ce que tu fais. Tu la mets sur ice.
tu la laisses. Mais c'est ça, c'est ça qui a commencé en fait. C'est ça qui a commencé. Tu as discuté. Et puis il a dit quoi? Et tu as discuté, il a dit à Foy. Elle s'est excusée, il a dit ok. Et puis qu'est-ce qu'il a dit? Mais tu la mets sur ice. Tu l'as prise de ton attention. Tu l'as prise de ton attention. Elle va t'envoyer des messages. Tu ne réponds pas. Elle va te demander à quoi. Tu lui dis à rien. Il n'y a pas de problème. Tu lui dis rien. Tu la mets sur ice pendant 2-3 semaines. Elle sait. Elle va te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Tu lui dis à rien. Elle sait tellement bien pourquoi tu agis comme ça. C'est ça, en fait. Tu comprends un peu? Mais toi, tu dis rien. C'est ça, en fait. Je vais te demander, en fait, si c'est ça. Et puis, en fait, c'est concrètement ça, en fait. C'est ça? C'est ce que tu dois faire. Voilà, c'est ce que tu dois faire. Tous les garçons savent ce que tu dois faire. Tu la mets sur ice. Elle va t'envoyer des messages, tu ne réponds pas. Elle va t'envoyer des messages pour te dire non, je veux passer devant. Tu dis que non, actuellement je suis occupé. Je dois aller jouer au basket aujourd'hui. En fait. Ou bien je dois aller à la salle. Il y a 2-3 choses à faire. Tu n'as plus son temps. C'est ça, même bête. Tu n'as plus son temps. Voilà, tu la laisses comme ça. Elle va venir jusqu'à ce que elle-même vienne te dire que non. Parce qu'elle sait pourquoi tu agis comme ça. Il faut que tu comprennes ça. Elle sait pourquoi tu agis comme ça. Elle sait pertinemment bien ce qui fait qu'elle agit comme ça. Mais elle va faire comme si elle ne sait pas. Quand tu la laisses là, il faut la laisser seulement. Tu la laisses jusqu'à ce qu'elle, maintenant, elle comprenne. Elle va venir te dire non. D'accord, je sais que c'est à cause du fait que tu m'as dit de ne pas partir là et je suis parti. Mmh. Je ne vais plus faire ça. Ouais. Là, maintenant, tu dis à la fin. Même si elle n'est pas partie encore. C'est ça le truc. Elle n'est pas partie encore. Mais il y a déjà boit la discussion elle-même. Et elle connaît déjà ma position. Donne-moi d'abord la conversation. Reste dans ta science. Reste dans ta science comme ça. Reste dans ta science. Il ne faut pas te triper. Elle fait exprès. Tout ça, c'est des tests. Elle fait exprès. Ça fait combien de temps maintenant? Ouais. Un mois. Non, toi aussi, c'est tôt. Non, un mois. Non. Bon, il y a Foy. Ça dépend de comment la relation est rentrée. Mais tu as le droit de ne pas vouloir qu'elle aille dans ce genre de coin. Il y a Foy. Laisse-la sur ice. Faut pas parler. Laisse-la sur ice. Faut la faut faire comme si elle est morte. Non, mais la raison, hein. C'est ça. C'est ça, même. Quand tu... En fait, le problème, c'est quoi? Il va t'expliquer. Les femmes, là, quand tu discutes avec elles, tu lui dis non, tu as fait ça. Elle va te dire, pas fait. Tu dis non, tu as fait. Elle... Si tu étais, tu ne parles plus. Quand tu discutes, là, elle te dit non, elle n'a pas fait. Quand tu la laisses tranquille, tu ne parles plus, tu ne dis plus rien. Elle commence à réaliser qu'elle a fait. Pour remettre les pendules à l'heure dans la c'est tête, il faut l'ignorer. Il ne faut pas parler. Quand tu discutes elle là, elle l'envoie discussion. Tu ne peux pas discuter elle. Elle est dans l'émotion. Toi, tu es dans la logique. Elle n'est pas logique. Donc, ce que toi, tu fais, tu l'ignores. Quand tu l'ignores, ça suffit. C'est ça, même pas qu'elle cause elle en même temps directement. Il a dit à fort tranquille. Déjà, même elle a. Et puis après, il a vu Jean-Ricard. Il a dit d'accord. Ok, pas de souci. Il est raccroché. T'as vu, non, elle rigolait. Elle rigole toujours. Elle raconte ça. C'est que tu commences à l'ignorer et puis elle pleure. Et puis, après 5 minutes, elle m'a dit au lab. Pardon. Faut pas répondre. Tu réponds plus. Faut plus répondre. Tu la laisses en vue. Ou bien moi-même, je n'ouvre pas le message. Ou bien je ouvre le message et puis elle ne répond pas. Pour te dire qu'elle est vue. Il ne parle pas. Il n'a rien à dire. Yo, bro. Ah. Et ça qui s'agit. Non, voilà. Non, tiens, si la bonne, toi, pour la boys, quand c'est guerre et des femmes. Moi, j'ai une autre. Femme, c'est l'homme. Tu peux mettre en mode avion, man. J'ai une autre situation pareille, je vais t'expliquer. Okay, déjà. L'homme va descendre. Merci. Il n'y a pas de problème, mon gars. Okay, je fais tout ce que tu dis. La go, elle est bien avec moi. Mais le bail ici, c'est que si je lui demande, genre, si on veut sortir ensemble, elle va refuser. Mais elle a peur de me demander. Je ne sais pas comment gérer ça, gars. Je comprends pas. Tu lui as demandé de sortir avec moi. Oui, mais genre, je ne peux pas lui demander. Ça fait combien de temps que tu me suis? Ça fait genre un mois. Oui. Un mois. Il faut aller derrière la vidéo. Chez nous ici, on ne dit pas que je suis sorti avec toi, on ne dit pas ça. C'est ce que je suis en train de lui demander.
Mais elle aussi, elle peut pas venir. Elle est déjà timide, elle peut pas avoir le courage de venir. Elle est déjà timide. Mais oui. Tu comprends un peu? C'est là qu'on parle de séduction. Tu comprends un peu, non? On ne dit pas à une femme, je veux sortir avec toi, je veux que tu sois ma copine. On ne fait pas ça. Même si la voix est fond de toi, elle va te dire non. Oui, c'est pour ça que je vais demander. Donc, si tu n'as pas encore fait, il ne faut pas faire. Sinon, si tu fais, ça fait pour tout. Il ne faut pas t'essayer ça. Si tu me crois pas, tu peux faire. Et puis après, tu vas venir live pour nous expliquer. Je te promets que si tu lui dis, je veux que tu sois ma copine, elle va te dire non. C'est genre. Il est pari. Il est pari 200 euros. Si tu es parti, dis, je veux qu'on sorte ensemble. Frère, elle va te dire non. Si elle te dit oui, tu viens, moi, je te donne 200 euros devant tout le monde. C'est elle qui court derrière moi, elle court derrière moi. Mais genre, je sais que si je demande, elle va dire non, gars. Mais là, ça devient compliqué. Oui, malgré qu'elle court derrière toi, si toi, tu lui dis, tu veux sortir, elle va dire non. Maintenant, quand elle court derrière toi, là, comment toi, tu réagis? Genre, comment je réagis? C'est elle qui t'appelle. Oui, genre, parce qu'il y a des fois, parce qu'à chaque pause, on se retrouve toujours sur un coin. Il y a même des fois, elle a sorti, on entre ensemble. Comme aujourd'hui, je ne l'ai pas attendu, je suis rentré. Il y a des fois, je l'ai vu. Je ne sais pas, mais elle me cherche toujours. Mais là, elle te cherche. Maintenant, quand elle te cherche comme ça, là, ce que tu dois faire maintenant, toi maintenant, commence à la toucher, commence à essayer de l'embrasser. Ok. Faut pas aller lui demander. Est-ce que je peux t'embrasser? Si tu dis ça, c'est va te dire non. C'est ça. Non, les gars, faut pas vous aller rire. Tu vois un peu? Faut pas lui dire, est-ce que je peux t'embrasser? Tu l'as tout. Si elle dit rien, ça veut dire oui. Si elle dit non, arrête. Si elle dit non. Sinon, quand la femme dit oui, elle dit rien. Oui, c'est pas. Dès que je la connais, elle est trop timide. Elle peut pas accepter. Elle va accepter. C'est elle qui court derrière toi, non? Elle va accepter. Il n'y a pas femme timide. Elle t'a montré qu'elle est fondée. Elle va montrer qu'elle est timide. C'est qu'elle n'est pas timide. Mmh. Quand femme est fondée, toi, elle enlève la timidité de côté. C'est vrai. Tu vois un peu? Il ne faut pas aller lui dire, veut qu'on sorte ensemble. Tu dois faire ce qu'on fait, qu'on sort ensemble là, avant qu'elle-même va te dire, elle veut sortir avec toi. C'est elle qui doit te dire ça. Ouais. Tu vois un peu? Donc demain, c'est à l'école, ouais, vous voyez où c'est où? L'école, non. Donc, quand tu viens, commence à t'asseoir avec elle, faut la toucher. Ah, chérie, tu as bien dormi aujourd'hui là. Je sais que dans la manière tu me parles, je sais que tu es un homme, tu es timide. Toi aussi, tu es timide. Moi, je suis pas timide. Dis-moi. Mais là, comment tu me parles? Tu n'as pas mangé le soir. Parle-moi, je suis pas timide. Parle bien. Tu n'es pas timide, non? Donc, si tu n'es pas timide, c'est que tu peux l'attraper par les hanches. C'est que tu peux la caresser. Moi, je caressais les femmes quand elles étaient à l'école. Quand elles font des mots, elles commencent à la caresser. Même je l'embrasse en mettant. Ça a été peut-être en troisième, quatrième point. Toi, t'es quel classe? Vas-y, troisième. Oh, petit. C'est en troisième que moi, j'ai commencé à sonner les mots même. Non, quand même. Mais t'as complètement les puissants. Complètement les puissants, mon gars. Ça, faut pas avoir peur. De la manière qu'elle est timide là, si tu commences, parce que même si elle est fond de toi, elle va jamais prendre les devants. Elle a déjà assez fait en te montrant que elle est intéressée par toi. Maintenant, c'est toi qui dois prendre les devants. Tu comprends un peu? C'est toi qui dois prendre les devants. Faut pas avoir peur de l'embrasser. Faut essayer. Si elle dit non, c'est non, tu fais plus. Mais si tu tentes, elle va pas dire non. Si elle est fond de toi, comme tu m'as dit, si tu essaies de l'attraper par ses hanches, elle va pas dire non. Si tu essaies de l'envoyer dans les cons, ça vous êtes seul, vous êtes à deux, elle va pas dire non. Tu vois un peu? Mais c'est toi qui dois prendre les devants, c'est pas elle. Maintenant, si tu lui as déjà dit en fait que genre, tu veux qu'on soit ensemble, faut me dire la vérité aussi. Je te dis qu'elle. Tu lui as pas dit ça? J'ai pas dit que. Non, mais c'est ça là, tu as dit qu'on soit ensemble. C'est ça même mon dieu, on ne fait pas là. Tu ne peux pas lui dire qu'elle te plaît. C'est toi qui lui plais déjà à cause de ses coups derrière toi. Maintenant, depuis qu'elle t'a dit que tu lui, elle te plaît, elle a commencé à faire ça. Non, c'est aujourd'hui dans les blagues que j'ai dit ça.
aujourd'hui. Oui, c'est dans aujourd'hui, tu l'as dit. Parce que tu vois, c'est une tige. La blague dans les blagues. Et puis, comme il y a une fille, elle n'a pas totalement confiance en elle. Il y a elle, tu es en train de dire que. Mais elle a répondu quoi quand elle a souri, elle a dit merci, c'est tout. T'as vu, non? Ça, c'est derrière un poteau. Parce qu'elle était censée te dire. Toi aussi, elle est timide, c'est pour ça. Elle n'est pas timide. Fais-moi t'expliquer comment elle fait. Elle n'est pas timide. Elle était censée te dire, toi aussi, tu me plais. Mais ça dépend. Peut-être qu'après ça, mais après ça, maintenant, si tu commences à être trop insistant, maintenant, elle va prendre ses distances. Donc, malgré que tu lui as dit ça, on va jouer un jeu. Tu lui as dit qu'elle te plaît, non? Demain, il faut faire comme si elle ne t'intéresse pas. Ok. Tu as compris? Voilà. Tu lui as dit qu'elle te plaît, non? Ouais. Demain, tu t'en vas à l'école, non? Si tu t'en vas à l'école, là, faut pas causer à elle. T'es jeté. Même si elle vient vers toi, faut faire le gars. T'es jeté, toi. Man. Ok. Tu comprends un peu? Ça, c'est le chaud et le froid. Tu lui as dit quelque chose, c'est-à-dire quoi? Tu lui as dit qu'elle te plaît, mais dans ton comportement, tu fais comme si elle ne te plaît pas. C'est réel, c'est ça. Tu comprends un c'est peu? C'est ça qui est bon. Voilà. Ouais, ça, ouais. J'espère que tu peux faire. Maintenant, si ça fait un mois que tu me suis, faut aller regarder les vidéos. Faut bien regarder les vidéos. Parce que on dirait toi, tu ne soulèves pas poids. Tu fais sport. Non, pas trop, pas trop. Il faut t'as vu, non, ça cause ça, tu ne parles pas bien. Sinon, tu as vu les gars qui sont hauts, ils parlent fort en un temps. Donc, deux jours, là, commence à soulever les poids. Tu dois soulever les poids. Ouais, bon. Tu as compris, non? Voilà, tu dois soulever les poids, tu dois faire un peu de sport, commencer à prendre soin de toi. Et puis, il ne faut pas toujours avoir le temps pour elle. Elle-même va venir vers toi, sa timidité, là, elle va l'expliquer. C'est toujours elle qui vient vers moi. Oui. C'est toujours elle qui vient vers toi, non? Mais demain, là, tu lui as dit qu'elle te plaît, non? Demain, il faut faire comme si tu n'es pas causé à elle. Si elle vient, il faut lui dire non, tu ne te sens pas bien, tout, pas de problème. Faut tout la que, tout c'est que, quand on va changer de classe, elle va venir. Elle va venir s'asseoir à côté de moi parce qu'à chaque coup qu'on change de classe. Ok, voilà. Elle va venir s'asseoir à côté de toi. Toi aussi, ta situation est difficile. Ah, tu vois. Oh, les gars, vous, à chaque fois, vous ne riez pas. Non, à chaque fois, bon, ça va aller. Molo, molo, viens pas. Et elle, quand je prends une place, il faut le conseiller. Moi, quand je pas. Prends une place, elle vient directement à côté de moi. C'est ça le bail. C'est qui veut que. Ouais. Elle vient à côté de toi. Mais quand elle vient à côté de toi, tu sais, il faut l'appuyer. Voilà, voilà, il t'explique maintenant. T'es en troisième, non? Il faut l'appuyer. C'est ce que nous on faisait. On appuyait les bois. Il y a un gars qui dit son troisième. C'est ce qu'on dit appuyer, non? Tu sais comment on appuie les bois. Ah, mais faut faire ça. Elle est fond de toi depuis qu'elle ne l'appuie pas. Moi, cinquième, elle appuie les bois. Il y a un zon de le premier banc. Elle est fond de toi, non? Oui. Commence à l'appuyer. Quand elle appuie, elle va dire oh, arrête-toi, 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 mais tu n'arrêtes pas. C'est dit continue. Oui. Tu comprends, non? Voilà, c'est ça. Faut pas chercher autre chose. Faut plus tout ce qu'elle dit, il faut pas écouter. Si elle vient s'asseoir à côté de toi, tu commences à l'appuyer. Tu comprends un peu? Maintenant, si elle dit non, faut pas l'appuyer, tu la laisses tranquille. Demain, tu viens en live ici, on va causer. Tu me dis ce qui va se passer. Donc, demain, quand elle va venir s'asseoir à côté de toi, la mission de demain, c'est de l'appuyer. Bon. Tu comprends un peu? Demain, tu dois l'appuyer. Si elle vient s'asseoir à côté de toi, tu l'appuies. Si tu peux, tu l'embrasses quand vous partez à la maison. C'est fini. Demain soir, il fait live à la même heure. Il t'attend en live. Ok, le live, c'est chaque jour. Tu t'appelles Paul. Tu t'appelles Paul. Paul. Ok, d'accord. Il a pris ton Instagram. Donc, demain même heure, il t'attend en live ici. Demain, tu dois venir me dire, ah, il a appuyé. Oh. Elle s'appelle comment? Rose, ok, moi-même, j'ai écrit son nom ici, Rose. Demain, c'est ta mission. Demain, tu dois appuyer Rose. Genre, le live, c'est chaque jour. Oui, chaque jour, je vais faire live maintenant. Donc, demain soir, tu dois venir me dire que
Il y a un gars dans le commentaire, il dit il va appuyer une fois, après il va demander bébé, tu as mal. Et le gars, moi c'est mon gars. Non, il va lui demander ça. Ok. Il y a fait mon gars. Donc, demain, c'est ta mission. Il faut que tu l'appuies. Mais il faut l'appuyer en esprit. Il ne faut pas les professeurs apprendre que tu l'as appuyé. Il ne faut pas tes amis aussi pour savoir que tu l'as appuyé. Sinon, ils vont te renvoyer. Voilà. Ok, on est ensemble, mon gars. À demain. Tant, il faut boire l'eau. Et puis, il faut beaucoup regarder la vidéo. Je fais depuis. On est ensemble. Donc, à demain. Demain soir, il y a tant que tu m'envoies demander. Ok, on est ensemble. Ouais, ça va très bien. Mon gars, comment ça va? C'est quoi? Il y a un jeu direct la dernière fois. Il y a quelle affaire encore? J'en arrive à discuter tout et tout. Ouais, je t'ai dit même que j'avais. Si, je me rappelle de toi. Tu parlais d'un mouvement, mais tu m'as plus fait de retour. Hein. Bon, c'est qu'il n'y a pas vite un thème. Il n'y a pas vite un thème. Deux joueurs, ils ne répondent pas à thème. C'est quand même bizarre. Non, mais il y a voix. Il y a voix. Donc, ok. Il n'y a pas de droit. Après, il est rentré, il voit les trucs. Freddy, il a failli. Okay. Après, il est rentré dans, dans les DM, il voit. Après le live. Avec les gars, tranquille. Bon. Voilà. Ok, avant, bon, vas-y. Moi, je dealais avec deux gars dans le même entourage. Tu vois. Ok. Et parmi les deux gars, okay. Bon, j'ai commencé avec la première. Tu vois, la première, c'était une amie, tout et tout. Et puis. Elle est venue à la maison ici, elle est venue et tout, tu vois. Voilà. Donc, elle, elle est rentrée. Elle a fait, elle a fait deux jours ici même. Et puis le lendemain, elle vient. Oui. Elle a fait deux jours ici, beau. Le lendemain, elle commence. Elle me demande, ah, on est quoi maintenant? C'est la question. Elle me demande, moi, c'est fait. Elle dit non, que genre, que est-ce que genre tout ce que moi j'ai fait, est-ce que moi j'avais planifié ça? Tu vois? J'ai dit, ah, planifié ça comment? Qu'il n'y a pas planifié quelque chose, c'est arrivé, tu vois? Il n'y a pas planifié quelque chose, c'est arrivé sur le coup, tu vois, là, c'est fini. Donc, après, c'est resté comme ça. Et puis, il y a une autre, la deuxième qui était rentrée dans mes DM. Bon, c'est une petite que bon, je ne prêtais pas forcément attention à elle, tout et tout. Et quand elle est rentrée dans mes DM, elle a commencé à me montrer de l'intérêt. Et puis, on a commencé à dire. Arrivé à un moment où je me suis laissé un peu trop aller, hein. Tu connais où? Elle était dans sa féminité, mais je n'ai pas compris. Là, je me suis laissé aller, je me suis laissé emporter, tu vois. Et moi, je lui ai montré un peu. C'est ça, là, tu connais. Ça prend cette distance. Et puis bon, tranquille, c'est la vie. Le truc, c'est que les deux filles se connaissent, tu vois. Et la deuxième, elle en était avec un autre moment. Et puis après, ça, j'ai chicoté ça. La deuxième, là. Okay. Après, elle m'a envoyé okay. Elle dit non, que ça commence à devenir toxique, tout et tout. Et à chaque fois que l'on se voit, on se tue. Mais moi, je ne lui dis pas clairement c'est quoi le bail. Tu vois, pardon. Donc, elle m'a dit qu'il faut qu'on parle sérieusement. Ok, après. Non, mais c'est pas chez elle. On est parti parler. Parler là, moi, elle dit que elle est là, moi, je ne suis pas prêt à mettre au coup. Il a sonné encore. Il connaît. Le bail, c'est quoi? Moi. Ton bruit. Mais casser la tête sur femme, tu vois. C'est pas mais tu connais, c'est le business. Tu me réveilles matin, hein, c'est business. Ils sont des livres, ils sont des jurés même bas. Il n'y a pas de temps pour causer femme. Il n'y a pas de temps. Tu vois. Maintenant, il y a un truc. Il se peut qu'il y ait un way, tu vois. Et dans le way, là, les deux, c'est moi et celui là. Et puis, genre, les deux seront là. Tu vois, il y a un mouvement bientôt là. Tu vois, non. Moi, je me suis pas calé quelque chose dans la tête. C'est qui m'a. Ouais. Mais la première goule, elle, tu l'as sonné plusieurs fois. Encore. Ok, maintenant la deuxième, tu l'as pas encore sonné. Oh, il n'y a pas de problème, mon frère. Il n'y a pas de problème. Elle, quand on peut dire, c'est ta goa, c'est elle qui t'a sonné. C'est là maintenant que l'autre là va vouloir se faire framponner. Reste tranquille. Tranquille, tu as les framponner les deux. C'est ça.
Mais on passe le cerveau, hein. Écoute ce qu'il te dit. Oh. T'es trop bien positionné. Reste tranquille. Tu t'en fous. Tu comprends un peu? Tu t'en fous. Elle est qui tu t'en dis, c'est elle que tu ne feras pas d'habitude. Et puis quand tu as parti, même, faut bien apprendre même. Faut bien apprendre. Elle n'a pas dit avec un tago. Elle te demande, vous devez vous dire quoi, non? C'est le jour où tu as le montant, vous dire quoi? Non, là, c'est pour l'ignorer. Tu comprends un peu, non? Voilà. L'autre, tu la connais plus. L'autre, tu la connais plus. Il faut la prendre comme une inconnue, même. Le lendemain, elle va t'envoyer un message pour te dire, donc là, donc tu es à go, donc tu sois elle là, et puis tu me cherchais. Tu la laisses en vue. C'est là son amour va commencer à augmenter. Il n'y a pas d'âme. Tu comprends un peu, non? Il ne faut pas t'embrouiller. Il ne faut même pas t'embrouiller même pour dire que non, tu as avoir peur. C'est pas ta go. C'est pas ta go. C'est même pas ta go même. Pareil, de la même manière que tu causais elle là. L'autre aussi, tu causais elle. L'autre, au moins, elle a eu le courage de te dire non. Tiens, elle dit, elle veut se jouer le go que tu dois poursuivre, non? Tu la libères. Ouais. Tu connais, non? Voilà. Faut pas t'embrouiller. Maintenant, quand elle va voir que sa camarade a été fromponnée, elle va venir vers toi. Tiens, joli garçon, faut pas t'embrouiller. Ne t'embrouille surtout pas. T'as les fromponnées, les deux. Maintenant, elle a bien se comporté. C'est elle qui t'a roulé, elle. Mais la deuxième, elle, ouais, elle a déjà commencé un mauvais comportement. Donc, elle doit être fromponnée et jetée. Voilà. Continue, elle, elle qui te demande nous de loin. C'est elle qui est mieux. Le choix. Le choix. Voilà. Elle a déjà un mauvais comportement. Alors. Ben, voilà. Il y a ça aussi. Voilà. Si tu veux continuer dans tes business, il faut les jeter les deux. Voilà. Mais sinon, si tu dois garder une, c'est elle qui t'a vite donné. Parce que c'est le problème des femmes qui est là. Elle pensait non. Quand Dieu avant d'être donné, ça veut dire non, forcément, tu as avoir relation. Et peut attendre 5 ans pour te framponner et le même jouer, mon bébé. La deuxième était venue en piste ici pour faire la cuisine et tout, tu vois. Elle est venue à la maison. Oui, elle était venue en piste pour faire la cuisine. Deuxième là. Elle est venue chez moi pour cuisiner. Donc, elle est venue chez toi pour cuisiner. Elle est tombée, non. Elle est venue se coucher dans ma chambre. J'étais dit, elle est venue se coucher dans ma chambre. Elle a fait les calais, tranquille, tranquille. Elle a commencé à causer, causer. Il n'y a plus mon temps, tranquille. Il essaie de. Non, non. Comment ça beau? Comme comment vous faites les câlins et puis vous causez? On a fait les câlins, essaie de causer. Quand il essaie de l'embrasser, la go le pousse, elle me dit que c'est un peu trop. Hein? Elle est venue chez toi. Ah, c'est qu'elle est venue chez toi-même. Non, calme-toi. Tu as la fromponnée. Calme-toi, tu as la fromponnée. Ça après, ça. Calme-toi, tu as la fromponnée. Faut pas bouger. Et du genre, après ça, là, elle m'a dit, genre, on a qu'à prendre notre temps. Moi, j'ai vu que ça, c'est du gel en tes joueurs, moi. Il y a pas de temps. Toi, tu n'as pas le temps. Le truc, c'est que Claire, après ça, pas l'anniversaire de quelqu'un de sa famille, tu vois. Et je suis allé même là-bas. Ce genre, mais devait travailler. Elle m'a dit du genre, qu'il sait que tu travailles, mais faut faire un effort, tu vas venir tout et tout. Je suis venu, j'ai apporté même un cadeau au truc. On a fait ça à son frère, tu vois. Et c'est après ça, la voix a commencé à faire bizarre. Nous, genre, on a fait un mois, on s'est parlé. On a fait un mois, mais on s'est pas vu. Non. Ça a mal joué en tête. Parce qu'un esprit, quand il te dit non, faut venir là. Faut pas venir. Tout ce qu'il faut faire, faut pas faire. Faut faire le contraire. C'est quand tu as fait là, elle a vu que non, lui, elle fait tout ça. Ce qu'elle lui demande. Donc, il ne veut plus trop. Si tu n'étais pas venu, elle a dit non, elle t'a dit de venir, tu n'es pas venu, son amour a augmenté. Le gars, il faut les faire parler. Parce que donc, en vrai, quand on commence comme ça. C'est à l'envers, faut manger si tu as tu commences à écouter ce qu'elle te dit, il faut faire. C'est par là que la manipulation commence. Hein. C'est par là que ça commence. Voilà. Tout ce qu'elle dit, il faut faire, il ne faut pas faire. Tout ce qu'elle dit, faut faire. Wow. Donc, c'est là qu'elle a perdu le mien, en fait. Justement ça. Tu vois un peu, non? Voilà. Le jour, tu es parti quand tu as envoyé ton cadeau. Ça, c'est le comportement des pétards. Parce que moi, il y a un gars qui était en France. Il t'explique une histoire. Il y a un gars qui était en France.
elle est venue, genre, en ce moment, il était parti en voyage au Maroc. Un truc. Il était allé faire une semaine au Maroc pour aller rencontrer une petite, pour aller la framponner. Tu vois un peu, non? Maintenant, pendant qu'elle était partie au Maroc, il y a une petite qui était à Paname, une petite ivoirienne qui causait. Tu comprends un peu? Elle m'a dit que non, elle vient à Abidjan. Donc, elle m'envoie des messages, elle m'envoie des messages, elle m'envoie des messages. Elle est venue à Abidjan. Le même jour, elle a mis pied à Abidjan. Elle m'a dit, ah bébé, je suis calé. Elle devait faire 3 semaines. Donc, pendant les 2-3 semaines, à moi, il n'y a pas son temps. Moi, je suis en train de me chercher, tu vois un peu? Et peut-être 4-5 jours avant qu'elle s'en aille comme ça, elle m'envoie un message pour me dire que, ah bébé, je m'en vais dans 3-4 jours. Hein. Que faut faire, on se voit. Et lui, elle dit, ah, pas de problème, lundi, on se voit. Donc, le lundi, on s'est vu. En même temps, elle est venue me chercher, tout ça, avec sa voiture, tout. On s'est bien embrassé, tout. Et qu'elle est déshabillée. Tu comprends un peu? La petite me dit que non. Quoi. Elle conjugue. J'ai dit ok. J'ai dit ok. Il n'y a pas de problème. Faut t'habiller. Elle s'habille, elle est partie. Après, elle veut causer. Elle ne cause plus. C'est au moins 7 mois. Elle n'a plus son numéro. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Parce qu'elle veut dire que non. Elle veut me faire comprendre que en esprit, non, de courir derrière elle. Parce qu'en fait, tu sais, les femmes, elles, je vois dans tes yeux que tu es fond. Puis tu peux pas, tu m'embrasses quand ta langue est dans ma bouche, attends, quand tu te déshabilles, quand tu touches ma bite, quand tu fais tout. Maintenant, il a été framponné, c'est fait malin, il a duré le suspense. Tu comprends un peu? C'est pour faire durer le suspense. Parce qu'elle me dit, non, si tu m'as pas fait ça aujourd'hui, non, mercredi, il revient chez toi. Et il n'y a pas de problème. Mercredi, il n'a plus de temps. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est jamais. On se voit dans l'autre. Elle se disait qu'il y a une petite qui est sonnée. Elle vient le dire. Il y a une petite qui est sonnée. Tu dis quoi? Elle arrive le dire tout à l'heure. Non, elle doit rien. Elle sait. Ça, elle a pas aller qui prend. Elle était marquée au fait. Elle est fâchée, elle a cassé le truc. Il n'y a pas mouvement. Laisse les boules là. Faut que tu te concentres. Faut pas la montrer que tu as besoin d'elle. Non, faut pas courir derrière elle. Si elle veut pas la garder où elle veut. Actuellement, il n'y a pas de temps. Il n'y a même pas de temps. Il n'y a pas de temps. Non, man. Le temps, c'est de l'argent. Non, il n'y a pas de temps. Si elle t'a pas donné aujourd'hui, il y a des femmes qui peuvent. Elle va dire la première fois, vous avez fait des bons trucs. Et puis maintenant, la deuxième fois, elle va se laisser aller. Mais elle est partie où, tu vois? Il y a des femmes qui font ça, non, pour faire durer le suspense. Elle est fond de toi, elle va te donner. Mais elle va te faire, peut-être le premier jour, vous allez vous embrasser, vous allez faire tout, et puis elle ne va pas te donner, elle va te dire non, je reviens. Il y a ces genres de situations-là. Et puis, il y a les situations où la femme, là, elle sait qu'elle fait la même chose, hein. Mais qu'elle revient, c'est pas qu'elle accepte plus. Parce qu'elle est fond de toi, elle va te faire patienter, non. Mais maintenant, elle revient, et toi, tu dis non, je ne te veux plus même. Là, maintenant, ça lui fait mal. C'est là que c'est ça. C'est on appelle vrai goût, même c'est là elle va comprendre. Parce que voilà, parce que femme aussi, quand elle veut te donner et puis tu ne prends pas là, ça lui fait mal. Tu vois, non, quand tu rejettes une femme sexuellement, ça lui fait mal. Ça brise son ego. Ça brise son ego. Il n'y a pas plus grand briseur d'ego que de rejeter une go qui veut te mourir. Non! C'est ça même, tu la déshabilles quand tu lui dis que non, aujourd'hui, c'est pas prêt, il m'en fait. Petit, elle va te rechercher pour tes mots de monde. Comment ça peut jamais refroidir son cœur? Ça peut jamais refroidir son cœur. Même si elle a bu l'eau glacée, comment bien congelée même. C'est ginseng, man. Voilà, c'est comment faire pour non, faut pas t'embrouiller. Faut pas t'embrouiller. Laisse-la. Elle va pas. Le joueur avec Mougou, elle va te faire signe. Moi, je n'ai pas de soucis. Tu vas te concentrer sur une autre Haïtienne, mon frère. Claire, il faut la boire. Claire, une Cécilia dans l'allée. Il y a toujours une dans l'allée. Il y a toujours remplacement. C'est ce que les gars ne comprennent pas. Ça fait maintenant 3 ans que je fais la muscu. Tu vois, donc.
Depuis mon amélioration, depuis que j'ai commencé mes business, depuis que je me cultive, il y a une certaine qualité de femme qui vient. Oh, avant, là, pour les avoir, là, pour dealer avec elles, c'était vraiment difficile. Mais maintenant, là, plus tu t'améliores, plus il y a une certaine qualité de goût qui vient. Et puis, plus tu as le choix. C'est pas comme ça. À chaque niveau, il y a différents types de femmes. À chaque niveau, il y a différents types de femmes qui vont venir à toi. Chaque niveau. Aïe, quand tu as des millionnaires, tu vas voir que c'est le goût d'un autre style qui t'a dit. Il ne faut pas t'embrouiller, mon gars. Voilà. Faut pas t'embrouiller. Il faut chercher ton argent. Des fois, ça va faire la différence. Parce qu'une fois que tu commences à avoir German, il y a les profiteuses, hein. Ouais. Tu connais les. Comment ça s'appelle? Faut savoir qui choisir. Parce que c'est pas n'importe quelle femme que tu peux faire entrer dans ta vie comme ça. Hein. Il y en a, elle va venir, c'est le michto, man. Elle va venir juste pour manger, c'est pas à cause de toi. Hein. Elle va venir juste pour ce que tu as, pas pour ce que tu es. Il faut rester réveillé. Hein. Voilà. Mais c'est qui a mis ce truc là? Vieux père, je n'ai jamais mougou sans payer une mission. Ah mon gars! Moi j'ai fatigué. C'était bon. Et moi j'ai dormi. Ouais, dès que je coupe le direct, je m'en vais en même temps pour un message. En tout cas, merci. Il y a les gars, je suis fond. Donc demain soir même, on se prend Ibrahim tout à l'heure. Ok, mon frère. On est ensemble.